এর উপরে পয়সা লাগালো মানে হেরে গেল হ্যাঁ এতটুকু একটা পুচকে বাচ্চা এত বড় একটা খেলোয়াড়কে হারিয়ে দিল তুমি হেরে গেলে তো আমি কি করব তোমার কপাল ভাই আমার টাকা দে ভাই আমার টাকা নাম জিতে গেছি আরে ভাই আমার টাকা দে নাম জিতে গেছি দেন না ভাইয়া আমার টাকা দে স্যার আব্বু তুমি বড় দাদার সাথে দেখা করতে যাবা হ্যাঁ আব্বু আমার অনেক ইচ্ছা কিন্তু কবে কবে আমরা পাঁচজন একসাথে গেলে নিশ্চিত ধরা খাবো তোমার কি খেয়াল আছে আমি কি বলছি প্রথম ঘর খুঁজবা পেপার হবে কাজ হবে তখন আমাকে নিতে আসবো ইনশাল্লাহ এরপর আমরা একসাথে মিলিত হবো জানে কি হবে
ভরটা পারবে নিতে হবে না ভাই পারবো না ভাই আমাকে একটু ভরটা পারবে নিতে পারবে আপনাকে টাকা দিব আমি পড়া দাবার মাস্টার দেখে করতে যাব নিচে নাম Sagor, Sagor, Sagor,
দেবেন নাই আপু দেবেন না বললাম না Trefel, Wasser. Abou, tu es là, tu es là. À plus tard. Encore. En France, on paye d'avance, mon frère. Ok, avec ça, tu peux rester 3 nuits. Yeah. Et bon séjour à Paris. Bah, on a tout fini, tout le cœur complet, hein, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on a fait un gros. Et on peut faire le cœur d'or quand même. On est dans le bateau, tu es là, quand même. Job, job, please job. Y a pas un job, no job, un job. Mesdames, bonjour. Bonjour. আবার মাস্টার সাথে কখন দেখা করবো শীঘ্রই Non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. C'est la Croix Rouge. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour vous aider. Non. C'est la Croix Rouge. Non, parce que c'est là que tu n'as pas. Ce n'est pas la police si tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Pas la police. Vous comprenez le français? C'est pour vous aider, non. Monsieur. Venez. On va vous donner à manger. Venez au chaud. Vous allez retourner à Dakar, allez les femmes, ça va pas, non? Pourquoi vous me fatiguez comme ça? Bienvenue à France Terre d'Asile. Vous serez bien ici. La salle de bain est juste là. The bathroom. Here. Vous pouvez rester ici jusqu'à l'instruction de votre demande d'asile. You can stay here until your admission. OK? Oh! On frappe jamais un enfant, never. La prochaine fois, c'est moi qui vous tape, compris? Bon appétit. Bon appétit. Abou, ce n'est pas avec toi, c'est avec toi, plastique. Quoi? C'est avec toi. Dès que tu as fini de nous apprendre les échecs, on va jouer au football. Football. Zidane,
coup de pied. Ok, ok. Attends, j'ai pas bâche, Bena. Attends. Il peut faire ça. Il peut. Et t'as non. Non. Il est mort. Il est quick. Quick. Non, mais genre, mort. Mort, il est. Il peut. Et t'as. Ok. Et t'as. Voilà. Il y a un club d'échecs pas loin d'ici, notre sofa. Je crois qu'il est bien, mais leur site est pourri. Pourri? Le site. Le club, good. Very good. Here. OK? Pourri. C'est charmant. De toute façon, c'est un noir, il va gagner, donc... Bien sûr. Tout le monde sait ça, les noirs. Hein? Gagner. Gagner. Win! Yes! Oui, winner! Yeah. Winner! F4, F3, échec à la découverte. T'as plus de dame, t'es mort. Bam. Max. Alors, qui va me le trouver? Club échec pourri. Qu'est-ce qu'il veut, lui? I want to be champion of the world. Mes cours, c'est en français. Les inscriptions, c'est en septembre. Et on est déjà complet. Allez, exit. Fahim, je sais. Qui on prend? Ben donc, tu sais pas. Alex, qu'est-ce que tu fais? Des petits bruits avec mon stylo. Pardon? Des petits bruits avec mon stylo. Ah. Oui, avec le silo. Et toi, Luna, t'en es où? Cavalier E1. Bien. Mais sur tour, prends G2. Échec. Bah, cavalier prend tour. Mais où est passée ma grande Luna? Ah, il faut supprimer la menace que représente ce fou. Bah voilà. Tout le monde dehors! Toi, tu restes, toi. Allez! Ah, ça le reprend. Et c'est déjà la pousse clope? Il y a un nouveau. Ouais, c'est un jeune immigré. Il est super fort. Sauf que son père a dit que le club était pourri. Et ça, c'est pas très gentil, quand même. Bonne partie. À tempo. Finish. Répétition trois fois de la même position. Draw, match nul. Voilà ce qu'il fallait proposer. Parce que les Noirs ne peuvent pas gagner, même avec la qualité en plus. J'ai pas dit gagne, j'ai dit finish. Not win. Eh ouais.
Et maintenant, t'es mort. Voyons, bien de voir tout ce qui c'est. Oh, car la pochette est un merde, Bruno. Pas bonne idée. Je devrais faire pareil avec certains. Oh, oh, te sauve pas, te sauve pas. Tu joues très, très bien. Viens t'inscrire, viens t'inscrire. Madame, vous fatiguez pas, il capte rien. Mais il va où, là? Voyons, biado, biado. Bah, biado, biado, tout seul dans Créteil. Bah quoi? J'ai rien fait. Bon appétit. Ça veut pas, ça veut pas. Hello? Hello? C'est Mohamed ou Mohamed? Mohamed. Mohamed, d'accord. Combien d'enfants? Enfants? Trois. D'accord. Ah, la demande d'asile, là, ça met du temps. Nous, on attend depuis 14 mois. Il faut que c'était une personne importante, genre ministre ou champion olympique. Ouais, ni l'un ni l'autre, on dirait. Snoop Dogg, il a cassé une femme. Ouais, mais regarde-le. Il est trop mec, on dirait Snoop Dogg. Qu'est-ce que vous racontez là, hein? Et en plus, c'est pas Fahim. Mais je comprends pas. Alors pourquoi vous parlez? Continuez comme ça, je vais vous laisser à l'orphelinat. Moi, comprends petit, petit. Monsieur Mohamed Noura, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous faites une demande d'asile en France? Je suis en français. Je suis en train de faire Je vous écoute. Il a entendu que la France est un très bon pays pour les aides sociales. Donc, si ça marche pour eux, il faut en venir toute leur famille. Ils sont de ma gueule, là, ou... Bon, et trouver un travail, par exemple, un logement, s'insérer dans la société, est-ce que ça, c'est dans votre programme, monsieur Mohamed? Bolche je, apni khubi bhalo shahoshikotar kaj korechen ekhane eshe, she jototuk shombhob korbe jate khub taatari jinish ta agay. Dhonnobad, apnader shahajjo amar onek dorkar chilo. Qu'est-ce qu'il a dit, là? Il a dit que. Traduisez, s'il vous plaît. Mais, de toute façon, ils vont réussir à passer en Angleterre. Ce qu'il m'a dit. Bon, c'est génial aujourd'hui. Bon, alors, vous m'apporterez des éléments concrets sur votre situation, ok? C'est qu'on a une tension qui est là. Ambra, on a une tension qui est là. Voilà. Ça, c'est votre récépissé. La chambre est très bien. Merci. Au revoir. Thank you. Allez. Au revoir. Tiens, c'est allé. Merci. C'est toi, nouveau? Oui, monsieur. Tu es déjà en retard pour ton premier jour. Ça commence bien. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est la mousson, monsieur. La mousson. La mousson. La mousson. Alors? Ah, c'est dur. Alors, je répète parce que c'est un peu compliqué. Comment est-ce qu'on relie chaque maison avec des tuyaux pour que chaque maison ait le gaz
l'électricité et l'eau, mais sans que les tuyaux se croisent. Tu joues à quoi? C'est pas ça qu'il faut faire. Fais voir, Faïm. Des mots. Des mots. Voilà, je vous montre. Il n'y avait pas de solution en deux dimensions, mais Faïm y a pensé tout de suite. Il est passé en trois dimensions. Bravo, Faïm, c'est très bien. Et il a réussi. Bravo. T'es doué en maths. Tu devrais essayer les échecs, je suis sûre que ça te plairait. Et quoi, j'ai dit quelque chose de drôle? Les échecs, c'est toute sa vie. À bout d'un an, je suis dans l'école française et je parle français. Waouh, pas chabou. J'ai parlé français. La maîtresse, elle pue des pieds. La maîtresse, elle pas des pieds. Ah, elle pue des pieds. Bon appétit. Bravo. Faïm? Faïm? On a un camarade pour son donna. On a un mouta. On a un camarade pour la gueule. Il était au cotaille. Bangladesh, tu as un chat de la carte de nom. Tu m'as placé de la carte de nom. Bangladesh, tu as un chat de la carte de nom. Namasta Sagatama. Shagotom. Shago. C'est pas du tout pareil. Sho. Sha. Sha. Go. Go. Tom. Tom. Shagotom. Shagotom. Ah, mais alors, parce que là, ils disent traduction phonétique, Namasta Sagatama. Alors, on peut pas se fier non plus. Bon, Shagotom. En français, c'est bon, s'il te plaît, madame. Bah, disons, tu parles déjà français? Waouh, en 6 mois, bravo, hein. T'as une bonne maîtresse, je suppose. Quelle peau de pied? Madame, c'est la maîtresse qui... Oui, bah, écoutez, c'est une bonne maîtresse quand même. C'est ça qui compte. Hein? Donc, moi, je suis très contente que tu aies décidé de revenir ici. C'est vrai que Sylvain, monsieur Charpentier, s'appelle Sylvain. Il est un petit peu dur, un petit peu... un peu bourru, quoi. Un peu sévère, un peu... Des fois, un peu froid aussi. Je peux te le dire. Et je suis sûre que surtout, vous allez très bien vous entendre et que tu vas progresser. Mais tu sais qu'à la Fédé, ils disent que c'est le meilleur prof. Hein. Il a formé plein de champions. Là, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, mais bah, peut-être toi. Hein? Alors, bon, la cotisation est de 90 euros. 90 euros? Non, boy, il est où? T'es là, mais t'es là, t'es là. Non, Faïm, reste là. C'est bon. Je t'inscris quand même. Hein. Je suis sûre que M. Charpentier sera d'accord. Et puis, de toute façon, c'est moi qui décide. À ma classe, Bortifi, au début. Au son, que d'un lobat. Oui, un mot par jour pour moi. Je goûte, j'ai. Shabash. Itai tu shikechilo ami tomare. Itai ekhon amar chal dila. Ta onek bhalo gelcho. Ta finale a l'air perdue. Mais tu vas la sauver. Comment? Comment? Non, Luna, si tu souffles, je t'étripe. Celui-là. Tu penses vraiment que c'est le fou A6? Non. Ah bah si, tête d'huître. Ça a pas de tête, une huître. Venez voir. Fou A6, une astuce diabolique qui sauve les blancs.
Pour être sûr de ses coups, sinon on va planter des radis. Retard. Qui vous le sait? Je vais faire un bat de l'école, je sais. Non, mais là, toi, avec nous, je suis allé acheter. Mon père dit, non, pas retard. Bah si, retard. On va planter un bat de l'école, je sais. 5 minutes, c'est tout ce que nous avons fait. Au Bangladesh, personne à l'or, personne à toi. Tout le monde heureux. J'ai horreur des excuses et des gens heureux. Voilà. Qui vous dit ça? Et qu'on discute. Allez, viens là. Il faut savoir ce qu'on joue, sinon... Ça va? Ça va? Good. Ici, les Blancs disposent d'une petite combinaison leur permettant de promouvoir leur pion H6. Mais avant de se lancer tête baissée, il faut calculer son dernier coup. La pointe finale, c'est elle qui valide tout. Ça t'intéresse pas, ce que je raconte? Quand on joue, monsieur Sylvain? Les échecs ne sont pas un jeu, monsieur Fahim. Les échecs, c'est une guerre. Une guerre entre deux esprits. Il n'y a pas de sport plus violent que les échecs. C'est Kasparov, l'ogre de Bakou, qui le dit. Quand il jouait, le maître russe regardait son adversaire droit dans les yeux, comme s'il pouvait voir à l'intérieur de lui, comme s'il pouvait le détruire. Fahim, au tableau. Allez, tu fais quoi, là? Attaque. Non. Dis pas la première connerie qui te passe par la tête. C'est pas connerie. Regarde. Hein? Réfléchis. Les autres, là, vous êtes où? Vous regardez pas l'échiquier. On fait quoi, là? Max? Non. Là, peut-être, ici. Sinon, une phrase, c'est possible? Alex? Je crois qu'il faudrait mieux demander à quelqu'un d'autre. Peut-être pourrait-on tenter de déplacer la tour qui est en D5. Peut-être pourrait-on tenter de la fermer quand on ne sait pas. Luna. Luna. Bon, ben. Dans ce cas, il faut... Laissez rigoler, continue. Oui. À la fin de l'envoi, il touche. La pointe. La pointe, sans ce dernier coup, les Blancs n'ont rien. Allez, pause clope. À la pause, on fait du sport. On est obligé. Oui, parce que le sport libère des hormones. Et elles sont bonnes pour la concentration. Les relous. Hein. C'est quoi, relou? Tu fais pas tes flexions? Je vais le dire à monsieur Charpentier. Monsieur, il y a Elliot qui veut dénoncer Fahim. Ça, c'est relou. Fahim, comme les autres. Il est relou. Hein. Bien, avec moi, tu vas vite apprendre le français. Louis, Fahim. Mmh.
Amou. Amou, juste Amou. Non, mais en fait, il parle de sa mère parce qu'il appelle sa mère Amou. Bah, c'est très intéressant, la confusion que fait Fahim. En fait, il a confondu le maire et la mère, la maman. Ça s'appelle un homophone en français. C'est quoi? C'est le même son, mais c'est pas le même mot. Mmh. Est-ce que vous avez un autre exemple avec la mère, Fahim? La mère, beaucoup, beaucoup de l'eau. Exactement, la mer où on se baigne, c'est très bien. La réponse est sur l'échiquier, Max. Pourquoi je pleure? Qui c'est vrai? Si tu voulais savoir, t'as qu'à apprendre le français. Échec et match. Arrête! Bien joué. Qu'est-ce qu'il y a, Max? Tu perds? C'est pas de ma faute, c'est lui, il arrête pas de faire des bruits. C'est pas moi qui fais du bruit, c'est mon stylo. Eh ben, tu diras à ton stylo que s'il fait ça en compète, je t'étripe. Tu m'entends? L'heure est écoulée. Allez, on arrête, t'es parti. Post-mortem. Rangez vos pions. C'est quoi post-mortem? C'est post-mortem. C'est quand Sylvain t'explique pourquoi t'as mal joué quand t'as perdu et pourquoi t'as quand même mal joué quand t'as gagné. Fahim. Pas mal. Tu aurais pu faire maths bien avant. Mais j'ai gagné. Luna, ta feuille. Samedi, Mathilde. Et pourquoi vous êtes si dur avec Fahim? Fahim, il m'écoute pas, il joue seulement avec sa rage. Et il est jeune, hein? Bobby Fischer, grand maître à 15 ans. Magnus Carlsen, grand maître à 13 ans. Sergei Karzakin à 12 ans. Fahim est déjà vieux. Il vit dans un foyer de réfugiés avec son père. Victor Skarsna et asile en Suisse. Boris Spassky, réfugié en France. Fischer en Islande, Kasparov exilé au... Vous avez raison. Des échecs, hein. Rien que des échecs. Ça, c'est des considérations complètement annexes, ça rentre pas dans le dossier. Est-ce que vous avez pu réunir des pièces qui justifient votre demande d'asile? Je jiggesh korte se apni ki apnar rajnoitik ashray dabita batil korte chan? Non. Si vous coopérez pas, monsieur Mohamed, vous avez aucune chance. Bolche acha amra apnake shahajjo korbo, apni kono chinta korben na. Menteur! Menteur, t'es qu'un toka! Qu'est-ce qui se passe? Fahim! 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 Qui c'est? Qu'est-ce qui se passe là? Il a menti, madame! আপনার ছেলে কিছু বলেন তুমি ঢুকছো কেন বেরো যাও ভাই ইতরাজ না পড় কমো ম্যাডাম তুমি ভিতরে ঢুকছো কেন তুমি মিথ্যা কথা বলছো কি তুমি মিথ্যা কথা বলছো আর তুমি পাগল হয়ে গেছো আমরা এখানে কথা বলতেছি তোমার বাবা বের হয়ে যাও তুমি মিথ্যা কথা বলছো কি স্পেস খাজ না ইলা মুজি ম্যাডাম কো pourquoi tu mens c'est bon ম্যাডাম vas-y casse-toi vas-y sors de toi c'est casse-toi abou
Vous voyez pas, madame ? Oh, mais t'as quoi ta bonne tessée ? Bah non, j'ai traduit exactement ce que ton père a dit. C'est pas vrai ! Allez, sois rouge ! Ça suffit. Raj, vous sortez. Dépêchez-vous, là. Sors ! Madame, je... Sors, je l'ai dit ! Raj, vous sortez maintenant. Je m'occuperai de votre cas plus tard, hein. Bon, je vais vous trouver un autre traducteur, monsieur Mohamed. C'est moi le traducteur. Je peux le faire, madame. Bon, on va faire ça pour le moment, alors. Mon père demande pourquoi le traducteur est mort. Peut-être qu'il a essayé de saboter votre candidature pour privilégier celle d'un Indien. On a déjà eu le cas ici. Donc là, il me faut le récit complet de tout ce qui vous est arrivé. Ok? S'il y a des photos, des témoignages, des articles de journaux. Mais on est juste là pour les échecs. Les échecs? Comment ça? Bangladesh, Fahimer jibon sankotapurno chilo. Mon père dit qu'il était contre le gouvernement et pour le punir, on a voulu me kidnapper parce que je suis connu à cause des échecs. Oi, toi tu vas te rendre là. Mon père et moi, on a abandonné à maman. Maman, elle est dans mon pays. Voilà. Bon, mais ça, il faudra prouver hein, ce que vous dites. Les menaces de mort, les problèmes politiques, etc. C'est important de toucher le juge. Hmm? Faites des photos officielles déjà en 35 par 45, ok? Et puis, bah, ce serait bien que j'aie une photo de ta maman. Tu diras à ton papa aussi qu'il faut qu'il trouve un travail. Hein. Ça, c'est très important. Et si vous ne pouvez pas donner des papiers? Eh bien, ton père, il devra rentrer au Bangladesh. Et moi? Toi, tu seras placée dans un foyer. C'est la loi. C'est comme ça. Qui tu n'as? Fahim, Abu, Shuno, Amidou. Amidou, Abu. Mais c'est pas bien de mentir. Magnus Carlsen n'a que 13 ans à l'époque. Il est à égalité avec le grand maître. Sipke Ernst. C'est la dernière partie du tournoi et la position semble équilibrée. Voilà, alors. Cavalier va en G6. Pion prend cavalier. Et premier sacrifice. Puis, dame prend E6. Échec. Roi H8. A5 prend G6. Le cavalier va en G8 pour défendre la position. Fou prend H6 et boum ! Deuxième clou dans le cercueil. Non, il parle pas français pour le moment, mais il est... C'est un gars super, quoi, c'est... Voilà, alors donc, écoute. En tout cas, si tu entends parler d'un petit boulot, ou même d'un grand boulot, hein, bah, tu n'oublies pas de me rappeler. Ok? Merci. Allez, merci beaucoup. Hein. Ça me fait un truc. C'est cool, hein?
tour, pro H6. Troisième sacrifice. Sylvain, s'il vous plaît, moins fort. Ah, c'est pour ça que vous venez. Bon, alors, vous suivez ou pas, là? Oui, le roi est faible quand... C'est dans mes parties. Oui, allez, pousse clope. Et pourquoi elle est venue? Il a quoi, Sylvain? Bah, c'est dès qu'il voit Mathilde. Il devient tout chelou. Chelou? Il est ouf, enfin... Tu te rappelles, ouf, bah, c'est la même chose. Comme on est avec toi. Dans tes rêves, Alex. Oui. Et il fait rien? Bah, c'est comme aux échecs, hein. Il a peut-être la théorie, mais côté pratique, zéro. Sylvain est tocard. Bien placé, parfait. C'est bon, ça. Il fait des progrès, hein. Ouais. J'ai dit pause clope. Allez, tout le monde dehors. Mais il fait trop froid, monsieur. Il est où, Fahim? Fahim, tu vas pas dehors sans manteau quand il neige. J'ai pas un manteau, monsieur. Mais la prochaine fois, tu penseras à le prendre. Mais puisqu'il dit qu'il a pas de manteau. Je devrais essayer, c'est très pratique. Bon. Bien, puisque vous n'aimez pas les pauses clopes, vous allez jouer à l'aveugle. Yes. Ouais. Ouais. Réveille-toi. Je veux que vous pensiez l'échiquier. Imaginez les colonnes, les diagonales. Visualisez. Il y a plus d'aventures sur un échiquier que sur toutes les mers du monde. Et c'est parti. E4. C5. Cavalier F3. D6. D4. C'est prendre D4. La sicilienne. Défense ultra-agressive, la préférée de Bobby Fischer et de Kasparov. Cavalier prend D4. Dans ta tête, Fahim. Dans ta tête uniquement, Fahim. Cavalier S6. Ah bien. Cavalier C3. G6. La variante du dragon. Une continuation tranchante. Risquée aussi. H1. Dame, j'ai un échec. Tour prend dame. Ah. Cavalier F2. Je suis mat. Le mat a détouché. Prodigieux. Je vois que la belle Luna t'inspire. Bon, ce week-end, repos. Alors, tout le monde en forme, hein, pour la compétition. Alors, nos sorties, nos alcools, nos drogues. Un no sex. Un
Allez-y. Au revoir, Mathilde. C'est comme ça, hein, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Vous allez faire quoi, vous, du coup? Elliot, table 2 avec les blancs. Les enfants, vous avez oublié de saluer nos amis du club de Créteil. Enfin, vous savez bien que c'est souvent grâce à eux que... Eh oui! Merci d'être là, vraiment. Luna, table 5, avec les blancs. Salut, Sylvain. Écoutez, ça nous fait tellement plaisir de vous faire plaisir. Ah, c'est joliment Alex, dit, ça. Table 7, avec les blancs. Gentil, content, heureux. Non, attends. Casse les couilles. C'est un bouffon. Une compétition, ça se gagne sur l'échiquier. Hein? Non, mais on va leur botter le cul à Boulogne, OK? Allez, table 6 okay. Et 8 avec les blancs. Hein? On va les niquer. Botter, 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 les gars. Botter le cul. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ma cagé bérit tu bodzi. Tu m'en corrompes, je suis quand t'as chou nana. Tu m'en cherches au mêlé. Agé bérisito. Agé bérit le qui passe à chbé. Achina agé. Alors agé bérit le bachat d'autre part. Bonjour les enfants, la compétition va bientôt commencer. Je rappelle que les téléphones portables doivent être éteints et qu'il n'est pas possible de sortir de la salle de jeu sans l'autorisation d'un arbitre. Vous avez chacun une heure pour faire votre partie et 45 minutes pour jouer votre premier coup. Au-delà, vous serez disqualifié. Oh, merde. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Les noirs appuient sur la pendule et les blancs jouent. Bangladesh, personne n'attend, hein. Des grands coups de pied au cul. Non, non, c'est pas toi, vas-y. J'espère qu'ils se sont fait reconduire à la frontière. Qu'ils aient une bonne excuse, au moins, cette fois. Ça, c'est pas très gentil, hein, Sylvain. Mais... Les noirs appuient sur la pendule et les blancs jouent. Réveille-toi. Jeunes gens, la prochaine ronde va débuter. T'en es où? Je vais gagner. Et toi? Fais-lui les yeux de Kasparov. C'est la position du trébuchet. On l'a vu 100 fois. Luna, tu fais exactement ce que je te dis, OK?
Faïm, pour le moment, t'es troisième. Non, non, attends, ce sera pas le même niveau au championnat de France, alors t'emballe pas. Non, fais-moi plaisir, petit. Va jouer aux dames. Bonne chance, hein. C'est ton dernier adversaire du phare, c'est un coriace. Alors, si tu veux jouer le podium, hein... Je vais le fumer. Ah oui? Eh ben, je te dis merde, alors. Merde toi-même. Non, non, merde en français, ça veut dire bonne chance. Alors, merde à toi avec ma tête? Oui, allez, va. Il n'a pas l'air mal, ton petit dernier, là. Oh, dis-moi, tu recrutes à l'étranger, maintenant? C'est pas pour le PSG. Mais tu savais pas? Alors, c'est toi, Faïm Mohamed? Moi, c'est du phare. Mohamed. D'habitude, les Arabes, ils jouent au foot, non? D'habitude, les cons, ils jouent pas aux échecs. La consigne pour les téléphones portables éteints. Pour les parents, c'est pareil. Ah, mais des tickets, d'accord, ok. Oui. Oui. Non, il est là, mais il ne comprend rien. Oui. D'accord. Ah. C'est tout. D'accord, je lui dis. Ouais, merci. C'est la préfecture, ils ont des nouvelles. Préfecture? Français? Oui, peut-être. Enfin, on sait pas. Il faut y aller maintenant. Faïm? Non, pour Faïm, les carottes sont cuites. Carottes? Non. Cuites. Mort. Perdu. Bon. Bon, enfin, mais pour vous, les carottes sont peut-être pas encore cuites, alors il faut y aller. Bon appétit. Il pourrait aller loin, ton petit paquet. C'est dommage pour les championnats de France, mais tu connais le règlement, Sylvain. Notre papier, tu as des chiquets? Oui. Oui, je connais. Oh, fut. Échec et mat. Hey, t'es sûr que tu veux pas essayer le foot, finalement? Ça mérite une sanction, ça, non? Merci. Chez moi. Oui, ben, il va arriver, ton papa. Au Bangladesh. Noura, ça s'est bien passé? Tu m'as dit que tu as un cagot, tu as un cagot? Tu as un cagot, tu as un cagot. Tu as un cagot, tu as un... Mon père dit que ça avance bien et il a trouvé un travail. C'est magnifique! C'est un travail de nouilles. Ah! Ah oui, mais alors comment vous allez faire pour le petit? Bah, j'y crois pas, il me fait le rond temps, mais personne ne fait le rond temps. Tiens, voilà, si je fais ton singe, tac. La dame mobile. Nominée. Fais chier! Oh! Non, c'est pas toi, c'est pas moi. Quoi? C'est Mathilde. Ah. Montez. Oh putain. J'ai entendu, hein. Du coup, je
fais quoi, je monte quand même? Mais oui, 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 montez. Sortez ? Ah oui, non, je veux dire, non, je rentrais. Ben voilà, je suis rentré. C'est bon les papiers, là, pour le... Pas encore. Ah. Mais le papa de Faye m'a trouvé un travail. Ah ben super, c'est bien de travailler. Le problème, c'est que c'est la nuit. Ah oui, ben oui. C'est mieux payé que le jour, mais c'est la nuit, c'est... Mais le problème, c'est que Faye, il peut pas rester tout seul le soir. Ah. Et donc moi, je me demandais si éventuellement vous... Si je pouvais vous héberger ? Mais c'est d'accord. Juste Faïm, hein, pour le moment. Ah oui, mais bien sûr que Faïm. Bah oui, oui. Non, mais ce soir, c'est compliqué. Vous pouvez pas, vous... Ce soir? Non, je sors. Ah, vous sortez? Ah oui. Ah. Bon. Ça sent la soirée entre hommes, hein. Ah non, non, touche pas, c'est à Karpov de jouer ça. Oh là là, malheureux, touche pas à ça. Aïe, 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 les livres. Ah, touche, touche. T'as faim? Hein? Ah, bah tiens, j'ai un reste de moulin, là. Hein? Regarde. Oui, bah, qu'est-ce que t'as joué? C'était du porc? Ah oui, oui, c'est vrai, je suis con. Sans papier, musulman. T'es mal tombé ici, mon pauvre. Tiens. Il y a tout là-dedans. Il y a tout. Prends. Je fais ça. Stop, Glace. Stop. Bon, qu'est-ce qu'il y a merdé ici? Non, tes mains dans le dos. Tes mains dans le dos. Je joue sans tes mains. Vas-y. Dame B4. Dame B4. Perdu. Ton erreur, c'est d'avoir tout misé sur l'attaque. Si t'avais forcé l'échange des dames, t'aurais pu t'en sortir avec une nulle. C'est nul, nul. Non, nul, c'est un demi-point. Un titre de champion de France, ça se gagne parfois avec un demi-point. Ne pas gagner n'est pas une tragédie. Le pire qui puisse arriver, c'est de perdre la partie. Tu l'appelles? Tu l'appelles? Tout l'Eiffel. Répondeur. Ah, la prétention de son message. Oui, Perroni, c'est Charpentier, là. La Fédé répond pas à mes mails. On en est où sur ma proposition? Je répète, tout enfant étranger, s'il est scolarisé sur le territoire français, doit être autorisé à participer au championnat de France. C'est quand même pas compliqué d'intégrer ça au règlement, hein? Rien qu'une phrase, bordel, Péroni. Bravo pour ton message, bravo. Y a un problème? Oui. Oui, j'ai pas de Nesquik. Mais je t'ai fait un café, là, au lait, avec plein de sucre. Allez, prends tes céréales, c'est bon. Voilà. Hmm? T'aimes ça? Pourquoi t'as jamais été un champion? Bah, en quoi ça te regarde, ça? Bah, si tu veux qu'on devienne des champions, il faudrait qu'on sache pourquoi ça n'a pas marché pour toi. Mmh.
À 18 ans, j'étais à l'Open de Porticcio. C'est le meilleur tournoi de Corse. J'avais fait un sans faute. J'étais assuré de gagner. Puis là, je me suis fait avoir. Avoir ? Avoir par qui ? Eh oui, j'ai un cœur qui ne peut pas soutenir la tension de la compétition, tu comprends ? Eh ? Ben, j'ai fait un malaise. C'est l'autre qui a gagné. Qui ? Et puis depuis, tu vois, je me fais chier à donner des cours à des petits cons qui posent des questions. Et c'est à partir de ce moment que t'as commencé à mal t'habiller. Non, je trouve que mes habits sont bien. Ça te plaît pas, mes habits? Ah ben ça, c'est la meilleure. Mais t'es malade? Non, non, je garde mes habits. Monsieur, ça vous dérangerait si Fame dormait chez moi ce soir? Ok. Yes, c'est super, comme ça on pourra s'entraîner. J'ai dit oui, j'ai dit oui. Yes! Alors, trop cool! Yo, Bobs! Fahim. Bonjour, monsieur Engel. Bienvenue. Comment j'ai invité à dormir. Non, Elliot, attends, c'est pas possible. Ton père, là. On n'a pas le droit d'héberger ensemble. Tiens, Fahim. Max, elles lui vont plus. Bah si, en fait, elles sont toutes neuves. Justement, t'as pas eu le temps de les faire, donc tu vas lui donner. Mais c'était ton cadeau, un cadeau. Je t'en achèterai d'autres, mon kiki. Merci, mamie. Merci, Max. De rien, Fahim. J'ai vraiment faim. Et j'aimerais avoir un délicieux sandwich à la viande. J'ai trop la dalle. Je me mangerai bien un kebab. Attends, attends, attends. Je vous ai préparé. Tiens, Fahim, un petit sandwich. Merci. Tu commences à m'agacer. Tu ferais mieux de retourner chez toi, là. Tu me casses les yeux. Rentre chez Watt. C'est bien. T'aurais pu dire rentre chez ta rhum. C'est des pédalos. Et puis, c'est pas la mer, c'est juste un lac. Artificiel, le lac. T'as jamais vu de pédalo? J'ai jamais vu la mer. Dis-moi, Fahim, tu veux faire un tour de pédalo? Je veux mon père. Il passe de temps en temps pour prendre le courrier, mais il a plus le droit d'être là, ton papa. Tiens, j'y pense. Il y a une lettre qui vient de chez vous. Messieurs ? Messieurs ? Je reviens, mon petit Fahim, je reviens. Départ pour le championnat de France à Marseille, lundi, 6h45. Bonjour, au revoir, Fahim. Pour moi ? C'est pour moi. Oh. Cadeau. C'est la première fois qu'on me fait un cadeau. Alors je vais la mettre. Abou. Amidjani, tu m'as fait un cadeau. Tu m'as fait un cadeau. Fahim, tu m'as fait un cadeau.
সব ঠিক আছে না কোনো কিছু ঠিক না তুমি কেন কোথায় থাকো ঠিক হবে সব ফাহিম কি কি সপাস লা জ পে ভুজ এডে পেটেট জু ভু রেস্টে আভেক মন পের ওই মে তু তে ট্রে বিয়ান শে তেস আমি পর ল মোমেন্ট তু সে সে পা দেস আমি জুস্ট পিটিয়ে ওই তু রাফিনেরা দান লি সেন্টিমেন্ট প্লু টার একুট সে কম সা তোন পের ট্রাভাইল লা নুই ইল মো মাদাম কোমো ইল মো বন অ্যাপেটি মেসি ফাহিম বাবা আমরা এখানে কোনো বড় দাবারের সাথে দেখা করতে আসিনি জে কম্প্রি আবু এমন কি এমন কি প্রিফিকচারে আমি যা বলছি তার কোনোটাই মিথ্যা ছিল না তুমি মিথ্যা কথা বলতে পারো না তো আম্মু তোমাকে ছেড়ে যায়নি ও যা কিছু করছে তোমার জীবন বাঁচানোর জন্য আর তুমি আমার সাথে থাকতে পারবে না কারণ পুলিশ আমাকে যে কোনো সময় দেশে পাঠিয়ে দিতে পারে সিও নেপাল পুলিশ এসে কালো কোনে পালা পুলিশ এসে Mon frère marche, Fadel et Kalek Bosso. Nura, amar bhalobasha. Obosheshe ami tomar chithi peyechi. Kintu tumi amake beshi kichu jano nai. Fahim kemon ache? O ki amar kotha bole? Tumi ki catch peyecho? Basha? আমরা কবে মিলিত হব এখানে অনেক কঠিন ভাগ্যিস জন্য আমাকে অনেক সাহায্য করে আমি তোমাকে ভালোবাসি নুরা আমি তোমাকে ভালোবাসি ফাহিম মাহমুদা Ils ont dormi dehors. Toujours tout droit. Ouais. Qu'est-ce qu'on a foutu quand même? Qu'est-ce qu'on a foutu? On va où? Les Afghans, ils sont au canal Saint-Martin. Les Somaliens, porte de la chapelle. Les Bangladais, j'ai demandé aux Somaliens, ils sont porte des Lilas, à côté des Clodo. Finale du championnat du monde entre Bobby Fischer et Boris Spassky. Bobby a perdu la première partie. Il avait un caractère de merde. Du coup, il déclare forfait pour la seconde. À ce moment, tout le monde pense que le match est fini. Et Bobby reçoit un appel de Kissinger. Kissinger, c'est le chef de la diplomatie américaine. Et il lui dit, mon gars, tu vas arrêter de te la péter, tu vas botter le cul aux Russes. Botter le cul? Oui, ben, il l'a dit avec ses mots à lui. Grosso modo, c'est l'idée, quoi. C'est là que Bobby est revenu dans le match et il a gagné. Voilà. C'est jamais trop tard, Fahim. Je suis pas Bobby Fischer. Je suis pas non plus exactement le roi de la diplomatie. Thank you.
Viens, viens. Faïm, on reviendra le chercher, ton papa. Il dormira plus jamais dehors, je te jure. En route pour Marseille. Mmh. Allez, 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 allez. Vous disposez d'1h30 chacun et je vous souhaite des très belles parties. Je vous répète que j'ai pas le droit. Charpentier, je ne change pas le règlement le jour de la compétition. Lila, les inscriptions sont closes. Ça marchera pas avec moi, ton petit jeu. Oui, il est scolarisé. J'ai reçu tes 200 mails, merci. Les championnats de France sans papier, mais t'imagines? Gino Peroni traverse les Alpes, à pied, avec ses trois frères, pour fuir le fascisme. Quand ils arrivent à Marseille en 1923, on les installe dans les bidonvilles. Personne ne leur tend la main. On les appelle les Rital ou les Macaroni. Mais Amasson donne sa chance à Gino comme apprenti. Il travaille dur. Un beau jour, il finit par épouser la fille du maçon. Ils auront des enfants, des petits-enfants, et tous feront des études. Mais la générosité, c'est pas dans les livres qu'on apprend. Mais qui t'a raconté ça? Donne-lui sa chance. Tu fais chier, charpentier. Vous êtes prêts pour cette première ronde? Serrez-vous la main. Les noirs démarrent les pendules et les blancs commencent. Donc, je vais vite. S'il vous plaît, moins fort. Ça me déconcentre. Pardon. C'est bon, le jeu.
dame A6, tour H1, pion prend. J'ai deux passés qui filent. 6 fou, A6, tour 7. Dame bouge. C'est beau. C'est beau, j'y comprends rien, mais c'est beau. Il faudra m'apprendre un jour. C'est brillant. Ce sacrifice est brillant. Charpentier, il ira loin, ton petit bonhomme. Ouais, il ira loin, son sans-papier. Pakistan, c'est pas la porte à côté. Toujours aussi con, lui, hein. Ah non. Non, il progresse. Ton petit numéro avec la Fédé, là, ça marchera pas tous les coups. Je peux dire à ton petit Paki que même s'il est champion de France, il peut oublier les championnats du monde. Sa carrière s'arrête là, crois-moi. Eh oui, il suit les pas de son entraîneur, quoi. Tout l'Eiffel. Tout l'Eiffel. Demain, c'est la dernière ronde. Je voulais vous dire que vous avez joué mal, souvent. Oui. Atrocement mal, même, parfois. Mais j'ai vu de la passion. De la passion. De l'envie. J'ai vu des nains devenir des géants. Je vais vous dire que je suis fier d'être votre professeur, même très fier. C'est formidable, c'est magnifique. Fatigué, c'est bien. Hop. Ah, c'est le grand jour. Quoi? Une nouvelle robe. Elle est marrante. Marrante. Et dans cette campagne présidentielle, le Premier ministre sera notre invité et il répondra à vos questions. Encore des promesses d'élection. Il faut vraiment croire au Père Noël. Monsieur Mouhamad, vous êtes en situation irrégulière sur notre territoire, monsieur. Vous aviez un délai d'un mois pour quitter la France, vous partez en centre de rétention et vous serez réacheminé vers votre pays d'origine. Fahim? On s'en occupe de Fahim. Ça va aller, il va être placé en famille d'accueil. Monsieur. Allez, doucement les gars, s'il vous plaît, vous le ramenez. Allez, laisse-moi. Stop.
C'est bon, c'est bon. Vas-y. Faites pas là. Vous vous calmez, monsieur. C'est vous qui l'avez créé la situation, c'est pas nous. D'accord ? Allô ? Mathilde ? Nora ? Non. Quiero suite. Je comprends. Je compte sur toi, Luna. Viens, monsieur Sylvain. Va. Max, t'as perdu toutes tes parties, je sais plus quoi te dire. Aujourd'hui, sauve l'honneur. Si tu le fais pas pour moi, fais-le pour ta grand-mère. Tu me ramènes le point. OK? OK, monsieur, je comprends. Et va, mon Max, va. Fahim, j'ai calculé. En cas de nul dans ta finale contre Dufour, t'es gagnant au départage parce que t'as fait la meilleure performance. Donc, fais nul. Non, prends pas de risque. Tu fais nul. Le jeu, c'est de faire nul. Les échecs, c'est pas un jeu, monsieur Sylvain. C'est un combat violent. C'est Kasparov qui l'a dit. Sylvain! Tu comprends? Merde. Les blancs jouent. On va pas rester ici les bras croisés quand même. Fou B5. Moi, je lui ai donné ma parole, je suis juré. J'ai l'air de quoi maintenant? Ouverture espagnole. Ouais, voilà, c'est ça. La France. On reste les bras ballants. Regarde le désastre. La France. Après tout, moi aussi, j'ai envie d'y croire au Père Noël. Ah ouais ? Défense de Berlin. Ouais, on l'a travaillé. Progresser. Allez, liquidation, allez, on liquide tout. Standard de France Inter, bonjour. Toutes nos lignes sont actuellement saturées. Veuillez rappeler ultérieurement.
Contente-toi d'assurer Fahim. Non, ne fais pas ça. Vas-y, mon petit dufin, vas-y. Il a voulu jouer au malin. Achève-le. Achève-le. Ouais. Une tour en moins. C'est pas vrai. Comment ça? Ils couchent au roi. C'est fini. Bonjour, c'est pour une question. Oui, une question pour? Pour le Premier ministre, là, pendant le journal. S'il te plaît. Ta feuille. Merci. Alors donc, dame F6 échec, dame G5, dame F6 échec, dame G5 deux fois, dame F6 et dame G5. Voilà, c'est match nul. Trois fois la même position, c'est terminé. Vous signez la feuille, vous la donnez à l'arbitre. Il est champion de France. Pour ceux qui ont assisté à cette dernière partie, le prix chez les pupilles moins de 12 ans, champion de France, Fahim Mohamad. Très belle dernière partie et j'ai envie de te poser une question tout de suite. Comment l'as-tu ressenti? Djoufar a été bon, mais j'ai lui botté les culs. Merci Fahim. Je vois que tu parles très bien français, Fahim, c'est bien. Tu as pris vite. Bon, ça y est, tu l'as eu ta revanche, Sylvain. T'es jamais remis d'avoir perdu contre moi à Porticcio. Pas vrai? Colline, c'est ça?
Merci, Vassa. Merci. Mathilde, votre question a été retenue. Vous allez pouvoir passer à l'antenne. Nous vous écoutons. C'est bon. Question d'une auditrice, Mathilde, pour vous, monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour. Allez-y, Mathilde, vous êtes en direct, le Premier ministre vous écoute. Il y a un jeune joueur d'échecs bangladais, SDF, sans papier, qui vient de gagner le championnat de France des moins de 12 ans. Lui et son père, ils vivent dans la rue et ils sont expulsables. Alors ma question est-ce que la France est le pays des droits de l'homme ou juste le pays de la déclaration des droits de l'homme? Voilà. Bon. Il nous reste un coup à jouer. On va chercher ton père. Pas être en situation irrégulière sur le territoire de la République française, comme d'ailleurs sur le territoire de n'importe quel autre pays européen. Et puis, le fait qu'on régularise un certain nombre de personnes en raison de leur situation familiale, en raison de l'apport qui peut être le leur à notre pays. Et naturellement, ce jeune homme, s'il est un champion d'échecs, mérite que son cas soit regardé avec la plus grande attention. Et donc, on ne va pas attendre les élections présidentielles pour le faire, on va le faire dès aujourd'hui.